Bonjour tout le monde, c'est Great One et on se retrouve de nouveau sur Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Comme d'habitude, j'ai dit, je vais faire une... Allez, en tout, je pense que je vais faire... 8... ouais, 15 vidéos en tout, je pense, pas plus à mon avis. En tout cas, là, on est là pour une quatrième fois, si je ne m'abuse, pour une... Bah, une quatrième mission logique. Je revérifie si je n'ai pas d'aide activée au cas où. Paramètres du jeu, c'est là-dedans. Ouais, pas de réflexe, affichage. C'est enlevé, ok, c'est cool. Parce que j'ai pas envie de commencer de fail. Donc la quatrième mission, on a fait. On va faire celle-là, il faut récupérer des informations. Il y a un agent US infiltré, c'est marqué dans la base. Récupérer sa cassette contenant des données sur le site secret, puis quitter la zone. Il y a une manière très rapide de le faire, c'est-à-dire c'est de rester dans le camion, etc., etc. Mais je vais pas le faire parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Si je fais la mission... pas comme on doit la faire, je vais la faire comme on devrait. Et que voulais-je dire d'autre? Comme on doit la faire. Et finalement, en fait, il y a deux cassettes à récupérer. Mais je vais vous le faire, je vais vous montrer tout de suite. Bah, c'est parti en mode normal, let's go. Et je viens juste de me remettre à Ground Zero, ça, donc... veuillez pardonner mes mauvais réflexes de cette vidéo, parce que je vais pas en faire exprès. Parce que la mission d'avant, je l'ai faite il y a une semaine. Hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Classified Intel Acquisition. Ok, on est parti de Crépuscule. On trouve l'agent. Boss, you need to make contact with the undercover agent posing as a soldier at the base. He'll pass you a cassette tape containing classified information. Start by taking a look at the agent's VI on your iDroid. Once you've spotted him among the Marines, make contact and get that cassette tape. Ok. Donc pour le reconnaître, on peut regarder là. Voilà, il ressemble à ça. Ok. Oui, on peut se servir du mirador comme le dit Miller là-bas, mais il y a trop de gardes en fait. Si on l'allume, il va venir avec un autre garde, mais je vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gardes, comme j'ai déjà dit. Il y a un mec là, à gauche, donc je vais pas descendre tout de suite. Ah, on peut finir cette mission très rapidement en allant directement au bâtiment et trouvant la cassette, mais on verra ça plus tard. Personne là-dedans? Parfait ça. On va essayer de le trouver comme ça. Hein. On verra bien. Lui c'est fait. Au départ je l'ai même pas vu, mais bon. Alors où est-ce qu'il est? C'est ça la question. On peut pas utiliser les autres projecteurs, ça marche pas. Hein. Où est-il? Je pense qu'il est par là, hein, je crois. Hey, c'est quelqu'un qui court là-bas. C'est pas lui. C'est pas lui. Fuck. Petit bien-être. Non, là, ça peut pas être lui, je pense pas. Ouais. C'est un camion. Ouais, je sais pas, franchement. Ça court là-bas, encore. Faire gaffe à ceux qui courent. Je réfléchis. Il n'est pas là. Là! C'est lui! Dommage, ça met un marqueur sur lui, ça fait pas réaliste. On y va. Il y en a un autre. Fuck. Ok. Attention quand même. C'est vraiment un hasard. D'habitude, je fais le truc du mirador en fait. Pour ceux qui se demandent. Ah bah, ça fait un peu comme la démo qu'ils avaient présentée, je crois. Non. Non, non. You're here for... No! You're not so tight, huh?
fuck! I put everything on a tape. I don't have it on me. It's in the central control tower, edge of the admin building sector. I needed to stash it. Had eyes on me, and these guys, they don't work for Langley. He's... you know... Huh? Forget it. You watch your ass, too. All right. Come on, do it. Fais dodo. Ok, on se barre. Par là. Il va se réveiller. Ok, c'est dans la tour de contrôle. Donc on va y aller. Hein, logique en même temps. En faisant gaffe de logique. Il y a un garde qui est... que j'ai assommé tout à l'heure. Avant que l'autre se réveille. Ce serait une bonne idée de le cacher. Fuck, il y en a un autre là-bas. Ennemi de nouveau opérationnel. Ouais, c'est celui que j'ai endormi. Hein. Hop. Ok. Donc on doit aller à la tour. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une deuxième cachette. Une deuxième cassette, pardon. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. Alors. Donc on aurait pu faire avec la technique du, comme j'ai dit, du Mirador. Hein, mais le problème est qu'il y avait trop de soldats en fait. Le problème c'est qu'il y a deux soldats au départ, plus celui de la tour. Et ensuite, deux soldats, une fois que vous l'avez interrogé, deux autres soldats arrivent. Eux. Où est-ce que tu vas, toi? Ouais, je préfère. Personne là. Alors, je joue sans marqueur, sans indicateur de vision de l'ennemi. Hein. C'est-à-dire, je sais pas s'il y en a un qui me voit ou pas. C'est pour ça que je joue probablement plus prudemment et plus lentement que les autres. Et de toute façon, je préfère faire réaliste. Il y en a un qui est là aussi, surtout de jour, hein. Faites gaffe. Donc là, ça va, il y a les buissons, mais... Faites gaffe parce qu'il y a des véhicules régulièrement aussi. Et quand je parle de véhicules, voilà. Il va venir par là, lui. Oula, ça a toussé de très près là. Il y en a un en haut. Il y en a un en haut. Du moment que le camion s'approche pas trop, ça va. J'hésite à me mettre accroupi parce que. J'ai pas envie de me faire. Je crois que je vais pas avoir le choix à un moment donné. J'entends le camion. Personne de ce côté là normalement hein. Ok, il est par là le camion. Vraiment faire gaffe au véhicule. Je regarde derrière en même temps. Alors. Oula, il y a un soldat là. Et il s'en va aussi le camion. Ok. On va passer sous le pont hein. Personne là, à part l'autre en haut. Apparemment, il n'y a personne, on est parti. Allez, go. Infiltration, mes amis, infiltration. Oh shit! Putain, j'ai bien fait de pas courir en sprint. Hein. Allez, là, on me voit pas normalement. C'est avec ce camion là qu'on rentre normalement. Ok, c'est bon, il est passé. Phew. Personne au-dessus. Apparemment, c'est bon. On regarde derrière. Oui, parce que cette mise en scène là, je l'ai pas fait tant de fois comme je le fais là en fait. Du coup, d'où la prudence redoublée. Il y a des caméras, il y a un mec là-bas. Oh, 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 oh. Mon lave favori et préféré. On pourrait se rapprocher avec le lave. Mais pourquoi pas? Et pourquoi surtout? Pourquoi voudrais-je me rapprocher avec cette merveille? Parce que le truc c'est que je dois m'infiltrer. J'hésite hein, franchement. À limite pour me barrer ça serait une bonne idée. Du coup autant que je le mette à la porte d'entrée. Mais il y a des gardes partout.
Ils me font chier aussi. Encore un camion qui arrive, t'es sérieux? Ah, c'est de l'autre côté. Allez, on va faire juste un petit tour de la reconnaissance, hein. La reconnaissance. Allez. Tout doux. Là, il y a un garde là-bas. Mirador, il n'y a personne. Derrière moi, il y a quelqu'un. Le problème, c'est dès qu'il sort du lave, c'est tellement grillé que... Deux gardes là-bas. Encore moins jouable quoi. Il y a un camion qui arrive, il fait sa vie. Lui. Il pouvait se barrer lui. Bon bah ce qu'on va faire, je vais retourner au bout et on va y aller à pied. Trop grillé là. Et on va laisser la place pour le camion. Aïe. Ok, allez. J'ai fait ma petite reconnaissance, je suis content. On va tenter le headshot. Ah, fuck. Sérieux. Oh. Ah, quand même. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Là, vous... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez me faire surprendre, moi. Il est là. Ok. Alors. Je vais vous montrer la cachette secrète avant, hein, pas celle dans la tour, parce que du coup, une fois que je serai allé à la tour, je me barrerai. Je vais me barrer avec le lave d'ailleurs, je pense. Shit. Ah non. Mais non, vous n'avez rien vu. Opération discrétion. Toi t'es endormi en dernier, du coup tu vas là. Et l'autre qui est là-bas. Ah, il y en a un autre là. Il l'a pas vu. Y'a le camion qui arrive. Cette réaction. Waouh, la chance que j'ai. Ou le talent. Le mec qui se lance des fleurs. Bordel, j'aurais bien aimé y arriver avec le camion quoi. Caméra de merde. L'autre là-bas, il va falloir que je l'endorme de toute façon. Alors là, il y a un petit souterrain, je vous avais pas montré. Ah oui, c'est vrai, ça a bugué par contre. Je risque de me faire repérer à cause de ça, hein, je vous préviens. Enfin, vous ne verrez pas de toute façon. Voilà. Alors, toujours des rats d'ailleurs. On peut rentrer par le camion, hein, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non, mais. Du coup, j'ai vu, heureusement que j'ai esquivé ce camion, quoi. Dommage, j'aurais voulu le faire d'une belle façon cette mission là, mais vous le verrez en rang S, de toute façon c'est fait pour ça. L'autre il est encore là, donc on va attendre. Il y a un autre camion qui arrive. Putain, il y a de la circulation ici, il y a les autres... Ah, les cadavres, il y a encore les cadavres là-bas. Ça va pas m'arranger ça. Ouais, je pense qu'ils les ont vus.
Je vais rentrer à droite, hein. Je vous le dis. Allez, bouge-toi. Allez. Ok. Attention là, je sais pas où est le soldat. J'essaie aussi de faire, bon, pas faire durer non plus la mission, mais de rendre ça, hein, un peu plus lent pour que ce soit un peu plus quoi. Y a pas d'ennemis là? What? Ouah, comment il a regardé vers la porte. Ok, je retire ce que j'ai dit, y'a un ennemi. Fuck this shit. Oh merde, il vient. Tu fais une erreur, mon pote, tu fais une erreur. Une fois sur deux, il me repère ici. Ah, il avait vu un truc, d'accord. Ok. Ok. En ce temps-là, j'y vais. Y'a pas de caméra du coup, pour une fois. J'ai toujours le stress quand même de la caméra. C'est vous dire voilà. À quel point. Donc y'a rien, ou qu'il y a le prisonnier, ou y'a peut-être un prisonnier, mais on va pas le faire. Je sais plus. Mais là, y'a un garde juste à droite là. Il est là, hein. Bordel, il est pas là. Dafuk. What the fuck is that? Je fouille, hein. Ah, ils ont vu des trucs, mais ouais, il a dû bouger à mon avis. Parce que là, il y a un mec qui vous donne une cassette en fait. Pour ceux qui savent pas. Ouais, bah, c'est un fail. Je sais pas où il a dû bouger à cause des mecs repérés, hein. Mais on va dire que c'est pas grave. On va dire que je suis rentré par l'entrée de la droite, hein. C'est pas grave. Pas grave. Ok, maintenant, va falloir... Ça marche là. C'est l'autre qui se barre. Ok, go. Et re-go. Infiltration. Mec là-bas. Limite, je peux prendre la Jeep pour m'échapper en mode bah repérer, logique, mais drôle quoi, enfin j'ai me barrer à fond quoi. Ouais, j'ai envie de faire ça, hein. On va le faire. Falloir que j'ouvre la porte avant par contre. Sinon je risque d'avoir un petit problème, et le problème c'est qu'ils sortent les chars d'assaut assez rapidement. Et ça m'embête. Alors on va faire gaffe. Là-bas. Normalement, il y a plus de mecs que ça. Bizarre, il y a un mec en moins en bas. Et qu'un mec, et un mec en moins ici. C'est bizarre. Bon, tant pis, on va à la tour. Comme je le dis, hein, pour l'évasion, je m'en fous d'être repéré. Là, vu que j'ai dit, je vais essayer de m'évader en Jeep. On verra ce que ça va donner. Je sais pas si je vais faire la Jeep. Je ne pense pas faire la Jeep parce que sinon ça va pas durer long. Attention là, parce que des fois il y a le mec. Bon allez.
Alors attention, il y a une caméra là. En rang S, on n'a pas le fusil comme ça dès le début, donc la caméra, presque obligée à la base. Je prends, je l'ai. On se barre. On se barre. Ok. J'aimerais bien que le camion arrive en fait. Normalement il y a quelqu'un qui va monter la passerelle. Je pense. Il n'y a pas de camion qui arrive, c'est dommage. Vas-y, essaie de monter. Non, non, personne. À gauche, il y a quelqu'un. Ouais, à droite, là, ouais, c'est, il est derrière. Il avance, il avance. J'aimerais bien que le camion arrive, mine de rien. Bon, allez, je le fais à la Jeep ou pas? Allez, on va tester, je m'en fous. Rien à foutre. Il y a le lave, mais... À la branlée. C'est quoi, c'est un... Bordel, je... C'est le camion qui est derrière ou pas? Ça a pas l'air, il est de ce côté-là. Bon, allez, on va tenter l'évasion de la mort. On ouvre ça. Dangereux, là. Très dangereux. Je veux juste faire ça de manière épique, hein. Je pourrais aller prendre le lave et terminer le... Ah, il est... Ah, c'est... Non, ouais, il est encore au bout, vous voyez. Je pourrais aller le prendre, hein, mais j'ai envie de faire ça stylé. Et qui dit stylé, dit stylé. Voilà. Ça, il y a l'autre, il est au-dessus. Vas-y, check pendant que je vais prendre la Jeep. Où est cette Jeep? Là. Allez. Pff, attention là, je suis... Go. Je fais le grand tour encore. Face à face de la mort. Fallait pas descendre. Ah oui, c'est un jeu d'infiltration, mais comme je l'ai dit, l'évasion, je la fais à la mode one again. Allez. Il est pas derrière le véhicule, il est pas derrière. Go. Comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire, non. Personne sur la droite, c'est bon. Mais te mets pas devant, espèce de bourri. Oh, t'as eu mal. Bon bah les gars, deuxième fois que je m'enfuis par là, hein. Allez, salut. La mission que... dont j'ai fait bah deux tiers, ouais. Comme je ne le voulais pas, en fait. Pas comme je le voulais, plutôt. Rambé, oui, tu m'étonnes, en même temps, j'ai tué des gens et j'ai fait une alerte exprès, hein, c'était provoqué aussi. Je voulais vous montrer le mec, la deuxième cassette cachée, en fait, elle était où que j'étais, hein, vous voyez, où qu'il y a les turbines à moitié. Mais il n'y était pas, pourquoi? Parce que c'était sûrement en prudence, peut-être à cause de ça, ou parce qu'il faut peut-être aller assez vite. Parce que moi, j'ai mis mon temps. Hein. Deuxième chose, bah, l'évasion à la Jeep, c'était fait exprès, hein, c'était pour, voilà. Vu que j'avais pas encore pris de Jeep et que cette mission-là... Du coup, voilà, c'était juste pour récupérer des cassettes, c'était... Voilà, j'ai voulu faire comme ça, c'est fait exprès, le mode alerte, la prochaine fois, il n'y en aura pas. Quittez les résultats. Story, Kiefer Sutherland. Ouais. Donc voilà, pour cette mission, c'est intéressant de trouver le garde, même si c'est facilement contournable, sachant que... Pour le rang S, si on trouve la deuxième cassette, c'est le bonus que je vous ai pas montré, ça compte comme la première cassette, en fait. Du coup, c'est encore plus facile pour le rang S en hard. Vous verrez ça, je vous le montrerai, hein, cette méthode-là. Boss,
There should also have been a record of the full scale of the plan. Maybe that was a tape we missed. Voilà, il parle de la deuxième cassette, c'est celle que je vous disais. En fait, le mec était pas là, c'est tout. C'est peut-être celui que j'ai croisé, c'est peut-être pas lui, on sait pas, on verra bien au rang S en fait. On verra bien. Il y sera à mon avis au rang S, c'est juste que voilà. Ou alors c'est peut-être un facteur aléatoire. Donc vous voyez, en plus la lumière change, là c'est en mode crépuscule, c'est joli. Bah voilà pour cette mission, j'ai voulu pareil pas finir en infiltration, même si l'infiltration sera surtout pour le rang S hein, finalement, c'est pour ça. Là j'ai eu une petite épique, c'est dommage que le lave m'ait pas tiré dessus, enfin n'ait pas essayé de me tuer parce qu'il a pas eu le temps, hein, une Jeep c'est un peu plus rapide. Mais bon c'était marrant quand même, hein. J'ouvre la porte, je retourne vers la Jeep et là je fonce dans, bah, je me casse. Bah voilà pour cette petite mission, j'espère que vous avez apprécié, hein. Logiquement je sais qu'on peut la faire en 3-4 minutes, hein. C'est en restant dans le camion, on monte ta tour, on retourne dans le camion, terminé, c'est comme ça. Pas besoin d'interroger parce que la cassette ne change jamais de place. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et dites-moi si vous préférez les manières épiques comme ça ou les manières normales, infiltration, moi j'essaie de... Là c'était juste pour donner un peu de piquant, vous voyez, mais bon on verra bien. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine, salut tout le monde.